François Hollande fait son retour en politique en annonçant sa candidature en Corrèze pour les prochaines élections législatives. L'ancien président de la République 2012 à 2017 vient ainsi soutenir la gauche en se présentant sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Initialement, c'était Bernard Combes, maire de Tulle et proche de Hollande, qui avait été choisi comme candidat. Cependant, Hollande aurait demandé à prendre sa place. Et en tant qu'ancien président, il a obtenu l'investiture du parti sans difficulté. Sa décision de soutenir le Nouveau Front Populaire a été bien accueillie, notamment lors de son passage à la télévision. La fédération de la Corrèze du Parti Socialiste se range désormais derrière sa candidature.